Voici pourquoi l'arme nucléaire est inutile aux USA en cas d'hiver nucléaire. Qui sera le résultat du recours à l'arme atomique? Les Américains souffriront de famine, et ce même si aucun pays ne répondait à une éventuelle attaque des États-Unis, ont conclu des chercheurs US cités par Science Alert. L'utilisation par les États-Unis de l'arme nucléaire provoquera la mort de millions d'Américains même si le pays ne recevait pas de frappe de riposte, ont conclu des chercheurs de l'Université du Michigan cités par Science Alert. Les experts ont modélisé différentes situations pour conclure que la théorie selon laquelle la victoire sera remportée même en cas de frappe de la part de l'ennemi est fausse. Pire, d'après les pronostics les plus optimistes, l'hiver nucléaire global qui en résultera causera d'énormes dégâts à l'ensemble de l'humanité, y compris aux habitants des États-Unis. Des précipitations radioactives tomberont partout dans le monde. Les nuages de cendres et de fumée consécutifs empêcheront les rayons du soleil d'atteindre la surface de la Terre, ce qui entraînera la famine dans la plupart des pays. Si les États-Unis actionnent 7000 ogives nucléaires, jusqu'à 5 millions d'Américains mourront de faim, ont calculé les chercheurs. Selon eux, seulement un nombre d'ogives ne dépassant pas 100 épargnerait les Américains d'être victimes de la famine et ne causerait pas de perturbations fatales dans la chaîne alimentaire aux États-Unis. Les chercheurs notent que leurs chiffres sont plutôt conservateurs, ce qui représente potentiellement une sous-estimation sérieuse du nombre d'Américains qui pourraient mourir de faim en cas de guerre nucléaire.